Alors bonjour à tous, voilà, vous voyez un tracteur un peu exceptionnel, un tracteur qui date de la fin des années 70, début 80. C'est un Fiat Versatile, donc c'est un tracteur, vous reconnaissez le transporteur Premat qui avait déjà transporté le Berlier T100 l'année dernière. Donc cette année c'est un tracteur agricole parce qu'en fait ce tracteur va être exposé à Rétromobile. Donc pour la première fois un plateau de tracteurs agricoles en lien avec des marques de voitures sera exposé. Donc on retrouvera un certain nombre de véhicules, des Ford, des Renault, des Citroën et des Fiat. Un Fiat, ça sera la bête de l'événement, ça sera vraiment la pièce maîtresse de cette année à Rétromobile. C'est la plus grosse machine qui fait 12 tonnes et 280 chevaux. Donc c'est le modèle de milieu de gamme de la gamme Fiat Versatile 44. On a 4 modèles, 23, 28, 33 et 35. Donc celui-ci fait 280 chevaux, moteur Cummins 14 litres 6 cylindres en ligne, d'une gamme essentiellement motorisée par du 6 cylindres Cummins. Le 44-35 est motorisé par un V8 Cummins également, mais qui a été très peu diffusé. C'est un tracteur qui est un peu puissant, donc pour le début des années 80, il y en a eu très peu. 44-28, c'est un tracteur qui vient de la Marne. Qui a été utilisé quasiment toute sa carrière avec des outils de préparation du sol, religieux Condor notamment. Et donc ce tracteur, on a voulu l'exposer à Rétromobile parce que c'est une pièce très peu connue, très exotique, hein, il y en a eu très peu en France de cette série-là. Je crois qu'il y en a eu un petit peu plus d'une dizaine, je pense. On a du mal à les compter, il y en a eu plusieurs qui ont disparu du circuit, mais là celui-ci c'est l'un des plus beaux, si ce n'est le plus beau, parce que il est dans son jus. Vous le verrez à Rétromobile, donc à la porte de Versailles du 5 au 9 février prochain. Donc là le tracteur va arriver demain matin pour être installé, briqué, parce que la route ça salit, mais globalement c'est un tracteur qui est plutôt beau. Je vais vous proposer plusieurs sessions d'images de ce tracteur. Déjà le chargement et puis on le verra dans les champs à plusieurs reprises en vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. À bientôt.